Mais Agathe, t'es sale, t'as pas lavé tes cheveux. Mais j'ai pas eu le temps en fait, parce que j'ai, tu sais, il y avait les enfants. Ouais, et puis hein, la raclette, Agathe, faudrait vraiment que t'arrêtes parce que ça commence à se voir sur ta peau, c'est immonde. Et ah alors, c'est marrant que tu parles de sa peau, on vient de recevoir un tweet. Agathe Le Caron, quelle sale peau dégueu. Ah, désolée. C'est marrant. Ouais. C'est flasque, tout boudiné, il faut se muscler. Mais j'ai pas le temps parce que, en fait, comme je travaille tous les jours, c'est pas facile. Ah, c'est. Oh, cette odeur là, ça y fait la gerbe du matin, tu vois. Je suis sauvée par le gong. Bonjour à tous. Alors voilà, maintenant vous avez la preuve, mesdames et messieurs, comment est cette équipe avec moi, alors que je suis toute propre, fraîche et dispo pour vous accueillir comme chaque matin dans la maison des maternelles. J'espère que vous allez bien. Regardez mes invités. Et... ah non, il y a quand même une fille, ça va. Bonjour, entrez. Alors, vous, vous venez faire du sport, c'est bien ça. Bon, allez vous reposer parce que ça va y aller. Et vous, vous venez nous parler, ça c'est bien, des papas. Bonjour, allez vous mettre par ici, on va vous accueillir avec un café. Les papas sont à l'honneur aujourd'hui parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les papas aussi font des baby blues. C'est un peu tabou. Et je suis très très contente qu'on ait deux papas qui aient le courage ce matin de venir parler de ça, parce que c'est vrai que c'est pas commun et qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a plein d'autres sujets que nous allons aborder évidemment dans cette émission. Afida Ansel, bonjour. Bonjour Agathe. La sage-femme de la maison des maternelles. Vous sentez bon, hein? Oui, oui, je crois, hein, ça va, j'ai vérifié. Afida, aujourd'hui, de quoi parle-t-on, mon petit? Des pleurs de bébés et comment apaiser ces bébés. Bon, oui. Tous les câliner. Et pour le baby blues, c'est vrai que beaucoup de papas le font dès la sortie de la maternité. Voilà, ceux qui vont au bar, mais non, ils vont... oui, ils vont pleurer, exactement. Et Afida peut vous en parler. Karim Gosso, bonjour. C'est vous qui nous remettez en forme tous les matins dans la maison des maternelles. Karim, on parle de quoi ce matin? On continue notre routine, nos routines pendant la grossesse. Et là, aujourd'hui, on va faire nos séries pour le deuxième trimestre. Voilà, on a fait premier trimestre lundi, si je ne m'abuse. Là, on fait deuxième trimestre aujourd'hui. Donc, si vous êtes enceinte au deuxième trimestre, vous pouvez faire ces exercices. Si vous êtes au troisième trimestre aussi, j'imagine. Non. Oui. Tous ces exercices sont safe, sont sécures. Mais on verra le troisième trimestre la semaine prochaine. Sortez vos tapis. C'est la carte blanche de Marie aussi aujourd'hui. Marie, on parlera de quoi? On va cultiver nos enfants, je crois bien. Oui, on va apprendre à sensibiliser nos enfants à l'art. Ah, voilà, c'est bien. Au quotidien et sans... et voilà, sans ennui. Et sans ennui, c'est évident. Et si on a évidemment des questions à poser, vous le savez, vous êtes en direct avec nous chaque matin. Donc profitez-en, on a des experts chaque matin. C'est une période où on a besoin de poser des questions. Et comment on fait pour le faire, Marie? Comment on fait pour le faire? On le fait simplement avec un SMS au 41 555 avec votre téléphone. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de la Maison des Maternelles. Vous commentez le post du jour avec un petit commentaire et je reçois les questions sur ma tablette. Sinon, vous allez sur Twitter avec le hashtag LMDM. Et elle nous les transmet, évidemment. Allez, c'est l'heure de s'informer avec Benjamin Muller, cette teigne. Espèce de petite raclure. Ce que je peux te dire, c'est que pour une fois, c'était pas mon idée, toutes ces méchancetés. Ouais, c'est Père Arnaud. Hein, ouais, c'est Père Arnaud qui a eu cette idée méchante, femme. Allez, au sommaire de ce journal, Benjamin. Au sommaire, on va parler d'un sujet important. Comment continuer d'allaiter une fois qu'on reprend le travail? Quelles sont les entreprises qui jouent le jeu, qui permettent aux femmes d'allaiter? Vous allez voir un reportage fascinant. Et puis, on va recevoir Martin Provost, réalisateur du film Sage-Femme, qui sort aujourd'hui, film qui a fait pleurer Afida, rendez-vous compte. Une drôle d'étude sur le sommeil des femmes confirme ce que nous savons déjà. Les femmes savent définitivement faire plein de choses en même temps. Mais du coup, vous le payez, car vous êtes plus crevés que nous, les hommes qui ne savons faire qu'un truc à la fois, comme chacun sait. Étude de l'université de Loughborough, en Angleterre, voilà, sur l'accent, je suis pas totalement sûr, qui nous apprend que les femmes ont besoin de dormir 20 minutes de plus que les hommes. Et la raison, eh bien, la raison sérieuse, scientifique, c'est que les femmes font des tâches multiples en même temps, qu'elles se mettent moins en pause que nous, les hommes, et du coup, leur cerveau est plus mobilisé, plus fatigué, d'où ces 20 minutes de sommeil en plus, CQF2. Loughborough. 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 J'ai fait un aboiement. C'est une anglaise. Un chiffre très dur révélé hier sur la pauvreté qui frappe les bébés. Oui, on vante souvent le système politique familial en France qui est jugé comme bon. On parle de modèle français. Pourtant, ces chiffres nous rappellent à la réalité. Bon ne veut pas dire parfait, puisque 3 millions d'enfants en France sont aujourd'hui désignés comme pauvres, chiffre de l'Observatoire des inégalités. Et pire, l'INSEE nous apprend que 30 000 enfants sont encore aujourd'hui sans domicile fixe. Comment continuer d'allaiter une fois qu'on reprend le travail? On le sait, les chiffres d'allaitement après le troisième mois chutent radicalement. Des chiffres qui évidemment se comprennent, trop peu d'entreprises mettent en place un réel accompagnement pour que les femmes puissent tirer leur lait tranquillement pendant leur journée de travail. Trop peu d'entreprises, ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-unes qui le font, comme celle que vous présente maintenant Fleur Mongibaud, qui a suivi Alison, maman d'un bébé de 10 mois.
Alison est cadre dans une grande entreprise et a un bébé de 10 mois. Elle a repris son travail et continue d'allaiter sa fille. Son employeur met à la disposition des femmes une salle spéciale pour tirer leur lait dans de bonnes conditions d'hygiène et d'intimité. C'était très important pour moi de pouvoir continuer à allaiter. D'abord, c'était mon choix de maman. D'avoir cette salle d'allaitement, ça a permis vraiment de le faire de manière sereine, discrète. Voilà, c'est vraiment hyper pratique dans des conditions d'hygiène qui sont vraiment géniales. C'est très propre. J'ai pas eu à choisir entre mon allaitement et mon métier. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une chance. Dans cette situation un peu particulière, Alison bénéficie de la bienveillance de son entourage professionnel et notamment de sa responsable qui comprend et accepte son choix. Cette projection. L'idée aujourd'hui en France, dans les entreprises, c'est qu'on les accompagne dans le retour de congé maternité. Moi, je suis ravie qu'Alison puisse utiliser cette salle pour tirer son lait chaque jour. J'ai vraiment pu reprendre le travail très sereinement. Je crois que dans toutes les entreprises, on n'a pas cette chance-là. Et voilà, c'était essentiel. Une possibilité que le monde du travail est loin d'offrir à toutes les femmes. Véronique Darmanja est consultante en lactation. Elle reçoit souvent de jeunes mamans qui racontent leurs difficultés pour tirer leur lait au travail. Le problème, c'est un petit peu souvent trouver un lieu pour pouvoir tirer son lait. Parce qu'on a rarement un bureau pour soi. Alors, il y a des mamans qui vont dans les grosses entreprises, dans les services de santé au travail. Il y a des mamans qui utilisent des salles de réunion. Finalement, le plus compliqué, c'est pour les mamans qui travaillent dans des petites entreprises. Et pourtant, l'allaitement pour les femmes qui travaillent est un droit. Dans le Code du travail, il est spécifique dans les entreprises dans lesquelles il y a plus de 100 salariés femmes, il doit y avoir une pièce pour l'allaitement avec des normes strictes au niveau hygiène, etc. Choisir entre le travail et l'allaitement, un dilemme qui ne devrait pas exister. Qui, on l'espère, n'existera plus bientôt. Puis ça a l'air simple, bah comme oui, ça. Hein. Finalement, mais c'est simple, je crois. On va parler maintenant d'un film qui est légèrement pour nous, vous allez comprendre, le personnage principal, une sage-femme, de vraie naissance filmée dans le film. Et le titre de ce film, tout simplement, c'est Sage-femme. On en parle ce matin avec le réalisateur du film. Un réalisateur multi-césarisé pour le film Séraphine, il y a quelques années. Bonjour Martin. Bonjour. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles pour nous parler de ce nouveau film qui rend hommage aux femmes. Et c'est vrai qu'hier je lisais un peu toute la presse autour de vous, autour de la sortie de ce film. Et alors il y a quelque chose qui revient tout le temps, vous avez les femmes dans le sang. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, avoir les femmes dans le sang ? J'ai été sauvée par une sage-femme à ma naissance. Et s'il n'y avait pas eu cette sage-femme, ben je ne serais pas là. Donc j'ai le sang d'une sage-femme dans les veines, elle m'a donné son sang. C'est au sens propre que vous avez. Ah, c'est vraiment au sens propre et je le sens. Je le sens que j'ai du sang de sage-femme dans les veines. C'est-à-dire que très concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, cette sage-femme ? On cherchait du sang partout. Il y avait un problème de rhésus. Aujourd'hui, on traite ça directement dans le ventre de la mère. Mais à l'époque, non. Il fallait me changer mon sang. On n'en trouvait pas. Mon père a couru toute la ville pour essayer de trouver du sang. Il est revenu bredouille. Donc j'imagine déjà dans quel état j'étais pendant toute cette nuit-là. Et on s'est rendu compte au petit matin que la sage-femme qui m'avait mis au monde avait le même rhésus que moi. Et c'est elle qui a fait ce qu'on appelle une exsanguinotransfusion. Ça dure 4 heures. Enfin, c'est un gros truc. J'ai une cicatrice. Enfin, voilà. Et c'est elle qui est allée me déclarer à la mairie. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'ai demandé un acte de naissance. Je ne savais pas son nom. J'ai essayé de la retrouver. Les archives ont été détruites. Et sur l'acte de naissance, il y avait marqué déclaré par Yvonne André. Elle s'appelle Yvonne André. Donc ce film, c'est un hommage à Yvonne André ? Oui, c'est pas que ça. Hein. C'est un hommage à la profession. J'avais pas envie de raconter mon histoire spécialement dans le film, mais j'avais envie de rendre hommage à cette femme et à travers elle à toutes les sages-femmes du monde. On le fait tous les matins, on aime bien aussi. Mais je vois. Alors le pitch de ce film Sage-femme, c'est l'histoire de Claire, interprétée par Catherine Fro, qui est une sage-femme, on va dire, très dévouée, très droite. Oui, c'est une femme intègre, oui. Et qui n'est pas très drôle, on peut le dire aussi comme ça, dont la vie va être bouleversée, enfin tout est subjectif hein, dans l'humour, dont la vie va être bouleversée par la rencontre assez rigolote, hein, oui. avec l'ancienne maîtresse de son père, Béatrice, interprétée par Catherine Deneuve. Vous avez la rencontre entre Catherine Deneuve et Catherine Fro, comment s'est-elle passée? Parce que là, c'est quand même deux monstres du cinéma. Bah, comme deux monstres qui se rencontrent, c'est comme deux énergies très très fortes qui d'un seul coup vont se compléter. C'est aussi le sujet du film, hein, c'est ça, c'est une femme un peu qui a voué
confier sa vie, comme vous dites, aux autres, qui voilà, s'est pas tellement occupé d'elle, n'a pas d'amour dans sa vie et arrive à un moment de son existence où elle est seule. Et Catherine Deneuve, Béatrice, revient. Elle est entièrement libre. C'est tout l'inverse. Et c'est tout l'inverse. Et elles vont se petit à petit... Mais c'est comme dans la vie, c'est comme... Alors, il y a quelque chose de fascinant dans ce film, qui plus est pour nous dans cette émission, c'est que les scènes d'accouchement sont de vraies scènes d'accouchement. Catherine Froux a vraiment accouché une femme. Six femmes, pardon, mais là, on va en voir une. La peau, on va pas voir les six, on va en voir une. On regarde et on commente juste après. Calmez-vous, ça va aller. Ça va aller, doucement. Calmez-vous, elle est à combien? À 9 cm. 9 cm? Hein, je vais vous faire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Okay. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va tout soulager. Alors, voilà. Attendez. Hop. Ne poussez pas surtout. Voilà, ça y est. Ça y est, vous êtes à dilatation complète. On pousse, on pousse. Voilà. C'est incroyable. Ça, c'est donc un vrai accouchement. Oui. Parce qu'il c'est un mélange, celui-là. Oui. Mais le premier du film, c'est un vrai sans péridural. Mais comment est-ce qu'elle a réussi, Catherine Froid, à penser à jouer en même temps? C'est ça. Enfin, franchement, là, c'est quand même une super performance. Mais elle en parle très bien. Elle dit qu'elle a été dans une espèce d'état second où elle arrivait à mettre... pas une barrière, parce qu'on ne peut pas, au moment d'une naissance, mettre une barrière, mais être vraiment, avoir un certain recul. C'est le fameux dédoublement de l'acteur. Et elle a fait une formation pour... Elle a fait une formation de sage-femme à Paris, elle a assisté à des accouchements, elle a fait des accouchements à quatre mains, avant de... On a tourné cette partie-là en Belgique, avant de pouvoir vraiment faire les accouchements. Ah, mais elle n'était pas toute seule, avec une sage-femme, un médecin, enfin, il y avait... Et j'ai vu que vous disiez que vous n'aviez jamais autant pleuré de votre vie qu'au... La première naissance. Ah, le premier accouchement, oui, c'était... Moi, je suis dans le couloir, je pouvais pas... Il y avait le caméraman et le perchman avec elle et avec la vous maman. Vous aviez un petit retour dans moi, le couloir. Moi, j'avais un retour, j'étais dans le couloir. Et... Ah oui, je veux dire, quand j'ai eu le premier bébé sortir, j'avais l'impression que c'était moi, de revivre... Martin, vous êtes de notre race, parce que nous, on pleure tous les jours dans cette émission, vu qu'on regarde... Ah oui, on a de la chance. Non, mais c'est vrai, c'est on a de l'eau ensemble ce matin. Des larmes heureuses. Ah, ce sont des larmes d'émotion. Ouais. On va vous présenter quelqu'un qui s'appelle Afida Ansel, qui est la sage-femme de l'équipe. Afida, venez, venez, venez. Afida, elle tenait absolument à vous rencontrer. Voilà. Afida qui a beaucoup pleuré. Est-ce qu'elle est crédible, Catherine Froid, sage-femme? Complètement, complètement. Et merci d'avoir... Merci déjà pour ce film. C'est pas l'histoire d'une sage-femme, c'est pas l'histoire de la sage-femme, mais c'est la c'est femme avec son métier. Oui, oui. Et franchement, je me retrouvais dedans. Merci. Est-ce que vous aviez déjà vu Afida, je sais pas, des livres, des films ou autres qui rendaient à ce point hommage? J'adore que vous soyez venue avec ça. Elle était toute contente de me ça hier à l'hôpital. Vous aviez déjà vu des hommages comme ça à votre profession? C'est rare. Non, sincèrement, c'est. Enfin, moi, je vous dis, je me retrouvais aussi dans votre histoire parce que je suis sage-femme par vocation, certes, mais par une sage-femme, Madame Roux. Bon, elle doit être au ciel, mais je la suivais depuis 15 ans jusqu'à... Et j'ai pleuré. Et j'ai regardé deux fois, merci Benjamin de me l'avoir envoyé. C'est vraiment relater l'histoire de la sage-femme. Oui, puis nos origines, on vient tous de là. Et puis voilà, et on a toute une sage-femme parce que vous vous souvenez, elle vous a sauvé la vie, on donne cette vie et j'ai plus de mots là, j'avais beaucoup de mots. Si vous avez plus de mots, elle a beaucoup de mots, elle s'appelle Marie Perarnaud, elle va vous poser des questions. Qui arrive sur les réseaux. Voilà. La chance qu'on a, c'est qu'on est en direct et que donc du coup tout le monde peut réagir et on transmet les questions. Mais c'est vrai moi qui ai accouché aussi quand même deux fois, on n'oublie jamais les sages-femmes qui nous ont accouchés. Marie, elle a accouché quatre fois. J'embrasse ma sage-femme, Danielle et Joël. Voilà. Alors Marie, on a plein de questions pour vous. Mélissa sur Facebook nous dit: Catherine Froux et Catherine Deneuve ont l'air de former un duo de choc dans ce film qu'elle a pu voir en avant-première. Est-ce que c'était bien de tourner avec elle? Oh bah oui, ouais, Catherine Faux, Catherine Deneuve, les deux Catherine, les deux grandes Catherine, tout à fait royal. Et pour un metteur en scène, c'est avoir deux Stradivarius dans les mains, c'est... Oui, moi je me suis régalé. C'est que du plaisir. C'était la première fois qu'elles tournaient ensemble en plus, c'est ça. Il était temps quand même. Oui, il était temps, Alors Maliti a vu aussi votre film en avant-première, elle a été étonnée par le manque d'empathie de la sage-femme dans le film, vu en avant-première, elle reprécise. C'était voulu ce regard très professionnel sur les patientes, elle a trouvé qu'elle était moins dans
empathique probablement que certaines sages-femmes peuvent l'être. L'empathie, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, je trouve, pour tout. Et je pense que le regard professionnel d'une sage-femme, c'est aussi un regard technique. Ça n'est pas que sentimental ou affectif. C'est ce qui fait que c'est crédible aussi. Et c'est ce qui fait justement qu'on y croit à fond, parce que ben, voilà, y a un cordon autour du cou, il faut agir. Enfin, vous savez ça aussi bien que moi. Ah, moi, je rigole beaucoup pendant les accouchements. Oui. Et chacun son style. Et donc, on ne peut pas être seulement comme ça. C'est pas possible. Et c'est le monde médical qui vous intéressait? On a une question qui vous le demande. Ou est-ce que c'est vraiment juste cette profession-là? Non, c'était cette profession-là qui m'intéressait. Je voulais vraiment, comme je disais tout à l'heure, rendre hommage à la sage-femme qui m'a sauvé la vie, donc à travers elle, à toutes les sages-femmes, et montrer aussi ce qu'elles vivent au quotidien, oui. Ce que c'est que donner sa vie aux autres, être seule par rapport à ça, c'est une vie pas toujours facile, hein, et surtout, vous l'avez montré, les gardes de nuit où on est pratiquement seule, où la sage-femme, elle est seule, vous avez montré vraiment ce travail, et pas ce côté comme quand on voit dans les films américains, par exemple, où je rends la poche des os, je crie et tout le monde arrive. Oui, là, c'était vraiment pas comme ça. C'est la vraie vie, quoi. C'était trop beau. Merci. D'être passé nous voir. Il faut aller voir et ce donc, film. Et donc, allez voir ce film, sage-femme. Afida, je vous rends votre petite affiche. Parce qu'il y a deux histoires quand même. Et voilà. N'en dites pas trop, Afida. N'en dites pas trop. Non, c'est merci vrai. Beaucoup, Martin Pro. Merci à vous. Merci, merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors, on en parlait hier. Doit-on laisser nos enfants s'ennuyer? C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur dans la maison des maternelles. Et ben, l'histoire que l'on va vous raconter maintenant montre que ça dépend des enfants, en fait. Histoire racontée sur la page Facebook de la gendarmerie de l'Oise. Parce que moi, j'adore faire un peu les différentes pages Facebook des gendarmeries. Donc, je vais sur celle de l'Oise. C'est vraiment fascinant. Donc ces gendarmes nous racontent que vendredi dernier... Tu mets ton QRZ. À 17h30, ils ont reçu, les gendarmes, un appel d'une petite fille âgée de 4 ans. Elle a composé le 17, sa maman lui avait appris, en cas d'urgence, tu composes le 17. Elle les a donc appelés et elle leur a expliqué qu'elle s'ennuyait et qu'elle cherchait quelqu'un pour jouer avec elle. Le gendarme, sympa, n'a pas raccroché tout de suite. Et en parlant avec la petite, il a réalisé qu'elle était toute seule chez elle, à seulement 4 ans. Du coup, il a mené l'enquête, a pu joindre la mère. Elle lui a expliqué qu'elle faisait juste une petite course. Lui, il lui a rappelé que c'était très dangereux de laisser des enfants seuls, même quelques minutes à cette vie. La fin de l'histoire, sauf que la petite fille, ça ce sont les gendarmes qui nous la prennent, j'ai mené l'enquête jusqu'au bout, a décidé d'inviter ce gendarme. C'est chaud. Est-ce que vous voulez voir la page de la gendarmerie de Ponto Combo? Parce que là, je suis dessus. Là, j'irai tout à l'heure. J'irai tout à l'heure. Ouais, ok. Que peuvent bien faire les bébés la nuit? On se pose tous la question quand ils sont tout petits dans leur chambre et tout. Alors, a priori, ils dorment. Ça, c'est ce qu'on se dit. Évidemment, si on est naïf, parce qu'en fait, pas du tout. Écoutez, de plus en plus de parents ont une drôle d'idée, installer une petite caméra dans la chambre de leurs enfants pour, au réveil, regarder comment ils ont passé la nuit. C'est ce qu'ont fait ces parents américains, les parents de Andrew et Ryan, des jumeaux de 2 ans que vous découvrez. Voilà ce qu'ils ont pu découvrir. Ça faisait en fait des semaines et des semaines que chaque matin, ils se rendaient compte qu'il y avait le bazar dans la chambre. Ils ont mis une caméra et regardé tout ce qu'ils sont capables de faire en une seule soirée. Et alors là, on a mis qu'un extrait, mais c'est interminable. Alors bien sûr, de temps en temps, les parents arrivent parce qu'ils entendent un peu le bazar. Donc, ils recouchent les enfants et 2 secondes plus tard, voilà, vous voyez, hop, allez, au lit les enfants. Hein, on se lève plus, hein, je reviens plus. Hein, je suis pas content. Hein. Et en fait, ça recommence indéfiniment. On sent tellement le vécu. Ouais, oh là là, ouais. Je suis vraiment pas content. Ah, quand je crie, hein, ça fait peur. Hein. Ouais. Bah ouais, mais... Pas content. Mais même quand vous criez pas, vous faites un peu peur. Ouais, vous avez un de ces charismes. Merci beaucoup, Benjamin. Si, comme nos invités, vous êtes un papa qui a eu un baby blues ou si... Regardez comme ça, ça dérange. Et si votre conjoint a eu un baby blues, enfin bref, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire à tout moment pendant notre partagé, pendant toute l'émission d'ailleurs. Vous avez le SMS au 41-555, vous avez le post du jour sur la page Facebook de la Maison des Maternelles, puis vous avez Twitter aussi si vous voulez, c'est très simple, hashtag LMDM. Tout est dit, on partage maintenant, on échange. Il suffit de se regarder. Alors, les pères sont-ils devenus des mères comme les autres ou sommes-nous seulement en train de les découvrir, tout simplement, sous un autre jour? Eux aussi, en tout cas, semblent traverser une période de fragilité émotionnelle après la naissance de leur bébé. Il n'y a pas que nous, les femmes, ils peuvent perdre leur repère et surtout douter de leur capacité à être père. Alors, c'est leur baby blues à eux, le daddy blues, comme on dit. C'est un sujet dont ils osent rarement parler et c'est pourquoi je voudrais vraiment vous remercier ce matin d'être là tous les deux, parce que c'est vrai que ça reste encore un peu tabou, je ne sais pas pourquoi. Alors Cyril, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux papa d'Alice qui a 13 mois et les premiers mois ont été un petit peu difficiles. Donc vous allez nous raconter pourquoi, comment ça s'est passé, comment vous l'analysez avec le recul. À côté de vous, il y a Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes le beau-papa de Karen qui a 12 ans et puis vous êtes le papa d'Alice qui a 2 ans. Et c'est vrai que cette naissance, elle a beaucoup plus bouleversé votre quotidien que vous ne l'auriez imaginé. Merci d'être là pour nous le raconter, pour nous éclairer, pour poser plein de questions, nous conseiller.
Nous sommes avec le docteur Louis Alvarez. Bonjour docteur. Bonjour. Merci, vous êtes pédopsychiatre et périnataliste au centre périnatal Rive Gauche à Paris. Vous êtes aussi l'auteur de Psychologie et psychiatrie de la grossesse, de la femme à la mère. Dans ce livre, vous consacrez et c'est ce continent inconnu que nous allons essayer d'un petit peu exploiter ce matin. Alors Cyril, vous vous êtes beaucoup investi pendant la grossesse de votre femme jusqu'à idéaliser un peu l'accouchement en fait. Oui absolument, en fait on en était à peu près à 10 ans de vie commune quand on a décidé d'avoir un enfant, mm-hmm. Donc on avait suffisamment profité. Et du coup, quand elle est tombée enceinte, du coup, vous êtes dit bon, je vais être un papa investi. C'était un grand moment de fête. Mmh. On était contents. Et du coup, on a fait tous les rendez-vous de gynécologie ensemble. On est allé visiter les différentes maternités qui s'offraient à nous, parce qu'on est à Strasbourg, donc on a la chance d'avoir différentes maternités. Et le choix, oui. Et on s'était lancé aussi. On avait découvert une méthode qui permettait de faire un accouchement naturel, qui permettait en fait pas de supprimer, mais de limiter. Les douleurs pendant les contractions de la maman et qui donnait un rôle actif au papa pendant ces instants-là. Donc vous étiez dit, bah voilà, l'accouchement, j'utiliserai cette méthode, donc j'aurai un rôle. Ah oui, voilà. Complètement. Et alors comment ça s'est passé cet accouchement? Alors, pas du tout conforme à nos prévisions. Toujours comme ça, hein. Ça c'est ah oui, oui. Quand même. Alors pour mettre les choses dans le contexte, il faut savoir que quand la maman a perdu les os, elle en était déjà à peu près à 48 heures de faux travail. Oh là là. Donc elle était épuisée physiquement et nerveusement aussi. Moi aussi, effectivement. Et l'accouchement, donc entre la perte des os et l'arrivée de bébé, il s'est passé à peu près une vingtaine d'heures. Vous n'avez pas du tout pu appliquer la méthode que vous aviez imaginée. Est-ce que du coup, vous avez réussi à trouver votre place? Justement, c'est que en fait on a commencé à appliquer cette méthode, mais ma femme a été rapidement monitorée, ce qui l'a gênée dans ses mouvements et ce qui m'a empêché en fait de faire ce qu'on avait répété ensemble. Et du coup, vers la fin, en fait, vers le terme, ça a été très compliqué parce que ma femme souffrait quand même énormément. Elle a fini par demander une péridurale parce que ça devenait, la douleur devenait difficilement gérable. Et moi, à ce moment-là, en fait, tout ce que j'avais entrepris ne servait plus à rien et je me sentais spectateur, impuissant de ce qui se passait. J'étais là vraiment. C'est souvent le cas, évidemment. Alors, Eric, vous aussi, vous étiez impatient que votre femme accouche. Oui. Vous aviez un peu idéalisé ce moment? J'avais idéalisé ce moment-là. Bon, on avait envie d'avoir un enfant ensemble. C'est une famille recomposée. Donc, Oui, parce que donc vous avez Karen. Oui, on a Karen. Que votre femme a eu d'une première union. Exactement. La grande aussi voulait être grande sœur. Donc, ouais. Du coup, on a été un petit peu poussés, mais ça a été agréable parce qu'on a pris la décision tous ensemble. Et donc, on a décidé d'avoir cet enfant et ça s'est bien passé. L'accouchement s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Mais ça a été quand même un chamboulement, j'imagine, quoi. Ça a été un chamboulement, oui, à l'arrivée de bébé, notamment parce qu'elle a eu des petits problèmes de santé suite à son allergie qu'on a découvert plus tard. Alors vous allez nous raconter, parce qu'il y a l'accouchement, puis il y a le retour à la maison. Comment il s'est passé le retour à la maison pour vous, Cyril? Qu'est-ce que vous avez éprouvé vis-à-vis de votre bébé? Enfin, vous êtes retrouvé, donc, finalement, livré à vous-même. Assez rapidement, j'ai été confronté à mon incapacité de comprendre correctement bébé et finalement de répondre à ses besoins essentiels. Alors je savais intellectuellement qu'un bébé, ça a besoin de beaucoup d'attention, ça souffre de problèmes digestifs, ça a besoin d'être nourri régulièrement. Le problème, c'est que les bébés étant tous différents, il n'y a pas un décodeur universel pour comprendre. Et non, malheureusement, pour comprendre son bébé. Donc, je me suis retrouvé vraiment désemparé, à pas comprendre qu'est-ce qu'elle voulait, comment je pouvais y répondre. Et j'en souffrais d'autant plus que la comparaison avec ma compagne. Elle se débrouillait pas mal et puis vous vous sentiez un peu... Bien mieux en fait. Voilà. Oui, ça c'est difficile. Docteur, qu'est-ce qu'on appelle le blues du papa alors? Alors, le blues du papa est un terme qui n'a pas été consacré encore par la médecine. Le terme daddy blues est un terme très joli, je trouve. Ah oui. Et qui montre que nous devons reconnaître, nous les garçons, que nous sommes toujours en retard vis-à-vis des filles. C'est bien ça de dire. Une fille à 12 ans... Nous sommes minorité, jeu. Une fille à 12 ans songe à sortir avec les lycéens. Un garçon de 12 ans chasse des Pokémon.
Quand on arrive à la découverte du bébé, pour la mère qui a vécu la grossesse, et l'expérience de la maternité était déjà de tous les instants. Mmh. Alors que le papa doit prendre un train en marche qui est déjà à toute allure. Ouais, alors comment est-ce qu'on explique ce phénomène en fait, c'est parce qu'on ne se comprend pas, les papas ne comprennent pas leur bébé? Alors je crois qu'il y a plusieurs choses importantes. D'une part, et notre société nous invite beaucoup à idéaliser la grossesse, l'enfant. Mmh. Et ce n'est pas nous rendre service, parce qu'à chaque fois qu'on idéalise, on se prend la réalité de plein fouet. Mmh. Donc s'occuper d'un bébé, la grossesse, bien sûr, ce sont des moments de bonheur, mais pas seulement. Et l'idéalisation occulte ce « pas seulement ». En plus, depuis une cinquantaine d'années, dans notre société occidentale, nous avons un peu réduit les familles. Avant, il était rare qu'un adulte arrive à être parent sans s'être occupé d'une petite cousine, d'un voisin, d'une nièce, d'un neveu. Alors aujourd'hui, que là, c'est vraiment tout nouveau, quoi. Aujourd'hui, nos mamans et nos papas arrivent à la rencontre avec le bébé très, très démunis par défaut de transmission de cette science parentale. Donc, ils sont vraiment très, très démunis. Puis, on tente aussi aujourd'hui, comme le dit Cyril, par des méthodes qui sont un peu rationnelles, n'est-ce pas, mais qui ne remplacent pas l'expérience ou la transmission. Donc, ils sont vraiment très démunis. Cyril, c'est votre femme qui a remarqué en fait que vous n'étiez pas trop dans votre assiette. Oui, ma femme a des antennes et assez psychologue en fait. Et malgré mes dénégations à dire que tout allait bien, que je gérais parfaitement, bon, elle a bien vu effectivement qu'il y avait un problème qui se posait, que j'avais du mal en fait dans mes relations avec ma petite fille. Mmh. Eric, donc vous, votre petite fille, vous avez compris au bout d'un moment qu'elle avait... D'abord, elle ne dormait pas beaucoup. Ensuite, vous avez compris qu'elle avait une intolérance au lait, c'est ça. Et donc, vous étiez frustré de ne pas pouvoir donner le biberon à votre fille? En fait, oui, parce qu'au début, on avait fait des plans sur la comète en disant on va faire un allaitement mixte, je vais pouvoir m'occuper de bébé, la nourrir, etc. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle est née en fait avec une intolérance aux protéines de lait. Donc elle dormait au début 20 minutes. Tout. Donc, voilà. Fallait... Même la nuit, c'était des minutes. Phases de 20 minutes, puis voilà. Elle s'est réveillée. C'est tout à fait ça. Donc en fait, elle ingérait le lait, ça la brûlait. Donc ce qui l'apaisait, c'était le cercle vicieux. Mm-hmm. Donc elle est obligée de téter, sauf que le lait qui était à l'intérieur contenait des protéines, et donc c'est un cercle vicieux. Alors du coup, vous ne pouviez pas donner le biberon et quoi, vous sentiez exclu? Moi, je ne pouvais rien, j'étais complètement exclu, impuissant par rapport à ça, puisqu'on s'était dit effectivement, on va partager un peu cette tâche. Mmh. Et puis je me suis retrouvé spectateur un peu de tout ça. Et vous avez et votre femme, donc j'imagine aussi dur. Qu'elle ne le vivait pas très bien, un bébé qui dort 20 minutes et qui n'est pas bien, c'est compliqué. Est-ce que vous arriviez quand même à l'aider? Est-ce que vous vous sentiez quand même utile par rapport à elle? Ce que je pouvais faire uniquement, c'était tenir un peu les rênes de la maison, m'occuper un peu de la grande, parce que du coup, elle s'est retrouvée un peu délaissée par rapport à ça, parce qu'on était constamment avec Alice. Moi, ce que je pouvais faire, c'était prendre le bébé pour essayer de l'endormir le soir un petit peu, c'est tout. Mais c'était dur les premiers mois. Même physiquement, je crois. Physiquement aussi, parce que du coup, moi qui étais très sportif, j'ai arrêté tout d'un coup. Donc j'ai fait un petit peu une petite couvade, on va dire. J'ai pris un peu de poids. Là, ça va un peu mieux parce que j'ai repris le sport. Mais ah bah oui, là, vous êtes fait. C'est mieux, voilà. Mais oui, c'est... On idéalise beaucoup le rôle de papa et en fait, on fait avec notre enfant. On s'adapte, oui, on s'adapte tout le temps. C'est aussi la rencontre entre un papa et son enfant. Oui. Ce que décrivent donc Eric et Cyril, ce sont les symptômes du daddy blues ou est-ce qu'il y en a d'autres, docteur? Bien sûr, on reconnaît tout à fait qu'ils sont arrivés à la rencontre avec ce bébé et ayant idéalisé et étant démunis parce qu'ils n'avaient pas prévu que les choses pouvaient se passer différemment. En fait, on fantasme sa paternité et en fait, on se dit, finalement, je ne suis pas du tout à la hauteur du fantasme, c'est un peu ça? Tout à fait. Et ce qu'on entend dans ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont tenté de devenir papa et selon le modèle de ce qu'est une mère. Mmh. Mais aujourd'hui, dans notre société, on ne sait pas très bien ce qu'est un papa. Tout le monde l'appelle, n'est-ce pas?
mais on ne sait pas très bien ce qu'est un papa. Et on est dans une phase de transition un peu. On est dans une phase de transition où toutes les valeurs de la masculinité sont en train de changer. Mmh. Et c'est vrai que nous devons reconnaître aussi, les garçons, que les femmes nous fascinent, nous sommes très envieux des femmes. Et ils prennent un morceau de nous, ils fabriquent un bébé. Et elles paraissent très compétentes quand on s'occupe d'un bébé. Elles ont du lait pour le nourrir. Et nous restons, effectivement, si nous voulons jouer à qui est maman, qui est la meilleure maman pour ce bébé, nous allons perdre. Alors, papa, c'est autre chose. C'est ça, il faut trouver sa place. Exactement. Cyril, vous, donc ce malaise qui a grandi quand même de plus en plus à partir de l'accouchement, est-ce que ça a compliqué concrètement vos relations avec votre fille ? Ah oui, très, très concrètement, oui, parce que je m'étais installé dans une espèce de spirale, de cercle vicieux d'émotions négatives, où en fait, les instants que je passais avec ma fille, j'étais tendu, j'étais maladroit. Les bébés étant un petit peu des éponges à émotions et nous renvoyant tout en fait en direct, forcément ça se ressentait, donc bébé était tendu aussi. Et en général, l'issue était rarement agréable. Ça finissait par les pleurs, ça finissait par des cris. Ce qui évidemment appuie sur le malaise encore plus, j'imagine, parce qu'on culpabilise un peu. Oui, bah en fait j'ai éprouvé de la culpabilité qui était vraiment alimentée par ce sentiment complet d'incompétence dans le domaine. Donc culpabilité, puis du remords, du ressentiment, pour finalement en arriver à éprouver de la colère vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma femme, de ma fille, du monde entier. Des périodes très très difficiles. Alors le Daddy Blues, c'est un sujet qui fait causer maintenant dans les cafés poussettes, comme celui qu'organise l'association Boom Baby à Boulogne-Billancourt. C'est un reportage de Marie Coran. Merci. Sophie et François attendent leur premier enfant. Moi, je découvre et puis François découvre au fil de mes questions aussi et mes préoccupations. Ça, ouais. On a chacun ses angoisses, quoi. Elle, c'est vraiment sur sa santé, à celle du bébé. Et puis moi, c'est plus le côté, plus matériel, environnement, tout ce qu'il faut prévoir pour qu'il arrive, quoi. Question matérielle, mais pas seulement. François appréhende aussi l'arrivée du bébé et un possible daddy blues. Pour l'éviter, ils vont participer à un groupe de parole autour de cette question. Du coup, merci à tous d'être venus. Ils y rencontrent de jeunes parents avec lesquels ils peuvent échanger sur leurs inquiétudes. Et aujourd'hui, on est ici pour discuter ensemble d'un sujet qui est parfois un peu tabou. C'est le daddy blues, le blues après la naissance du bébé. Entre parents et futurs parents, les langues se délient. Et parmi eux, il y a Mathieu. Le daddy blues s'est manifesté d'une manière un peu particulière et beaucoup plus tard, vers les 1 an d'Arthur, donc il y a du mois d'octobre. Où j'ai commencé à avoir peur, peut-être justement prendre conscience totalement de mes responsabilités et à un point extrême qui est que j'avais, je pensais régulièrement à la mort, alors que ce soit la mienne, la sienne, la peur qu'il lui arrive quelque chose et ou la peur de disparaître moi et de ne pas pouvoir lui transmettre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens dans la société qui sont capables d'accepter qu'on puisse à un moment avoir ce genre de pensée, se sentir mal pour ces raisons-là et avoir des moments de bas. Le daddy blues, c'est un vrai tabou. En fait, les papas en parlent peu et éventuellement glissent quelques phrases au travers de ce qui peut se dire dans les échanges et dans les discussions, mais c'est vraiment important que sur ce sujet-là, la parole se libère. Aimeré est papa de 2 enfants. À la naissance de son fils, il y a 2 ans, il a vécu un daddy blues. Le bébé, il est venu, elle l'a pris dans ses bras, la première tétée. Ok, moi j'étais là, ok, je regardais, j'étais spectateur, quoi. Limite, qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc, après l'accouchement, flottement total, je me laissais aller, je savais pas où j'étais. Et c'est vrai que j'ai un peu fui le travail de papa, parce que ça me faisait peur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur et du coup, c'est vrai que je me suis un peu isolé. Voilà, j'ai même eu des jours où après le travail, voilà, il m'arrivait d'aller prendre un verre pour pas rentrer directement à la maison parce que voilà, j'appréhendais mal la chose. Je pense que c'est là que commencent déjà les prémices du daddy blues. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit parce que moi, je pense que quand le bébé va arriver, je pense que je vais ressentir ce que tu as ressenti. Parce que quand je l'ai su, pareil, j'ai passé une semaine où j'étais flottant, voilà. J'étais
comme si j'étais déphasé. Tous les pères que je connaissais, à qui je demandais, ils me disaient que c'était le plus beau jour de leur vie quand on leur a annoncé et quand il arrivait aussi. Mais moi, j'étais vraiment en stress, quoi. Le fait de poser les choses, de poser un nom sur ce phénomène-là, je pense que ça peut aider les futurs papas, justement, à en parler et à se dire que voilà, si ça arrive et que c'est normal, quoi. Autre préoccupation qui inquiète certains papas, la reprise du travail. Après, il y a la réalité aussi de la vie. C'est obligé d'aller travailler. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que je me sentais un peu coupable. Je sais qu'elle va m'appeler, m'envoyer des messages, elle va pas être bien, je vais pas être là pour la rassurer. Et malheureusement, je peux pas faire grand-chose. À part le soir, quand je rentre, et déjà, elle est super remontée. Donc voilà, c'est vraiment ça, la scène. Hein. C'est j'ouvre la porte, tiens, merci. Certaines angoisses peuvent être ressenties par les papas aussi, et qui sont plus nombreux qu'on peut le penser. Mais je pense qu'effectivement, quand l'enfant sera là, je pense que ce petit flottement-là, il va revenir. Mais j'y serai préparé, et ça me fera moins peur que quand je l'ai eu il y a 2 mois. Ouais. Si un homme averti en vaut deux, François sait désormais à quoi s'attendre à quelques mois de l'arrivée de leur bébé. On le disait hors antenne, ils sont mignons, les papas. Alors, docteur Luis Alvarez, comment est-ce que vous aidez concrètement les papas qui viennent vous voir, qui viennent consulter chez vous? Bon, tout d'abord, quand on suit des femmes enceintes au centre périnatal, nous avons l'habitude d'inviter les papas vers la semaine 34. Ah oui. Parce que nous savons qu'ils vont être déphasés. La femme s'est laissée modifier par la grossesse. Et la semaine 34, ça correspond à un moment où il commence à prendre conscience de ce qui va se passer, c'est ça? C'est que l'accouchement arrive quoi. À grands pas. Ouais. Et si on tarde un peu, peut-être qu'on loupe le papa. Donc, on invite le papa pour lui donner la parole. Et quand les papas prennent la parole, disent des choses très intéressantes. Et qu'est-ce que vous essayez de faire dans le couple? Est-ce que vous essayez de combler le vide qui aurait pu s'installer? D'une part, la maman devient un peu différente pour le papa. Et la grossesse l'a modifiée, et peut-être que les papas ne s'attendaient pas à ces modifications-là. Même donc, du désir aussi, j'imagine, ça intervient. Le désir, le quotidien, la maman est focalisée sur la grossesse, la naissance et l'enfant à venir. Certains papas se sentent délaissés. Mmh. Donc il s'agit peut-être de faire déjà un arrimage à l'intérieur du couple de ce futur bébé. Ensuite, effectivement, les papas n'ont pas une grande idée de ce qu'est un accouchement, de leur place dans l'accouchement, et de la rencontre avec un bébé. Et des images qu'ils vont voir. Vous, Eric, ça a été un peu tendu, je crois, dans le couple aussi. Hein. C'est un petit peu tendu par rapport à tout ça, parce que du coup, quand je me sentais un petit peu exclu, il y a eu pas mal d'engueulades, on va dire, par rapport à... Vous avez l'impression vraiment au quotidien, que votre relation a changé, il y a eu un avant et un après? Oui, la relation a complètement changé. J'ai perdu ma femme pendant au moins un an et demi. Hein. Au début, alors ça s'est bien passé pour la grossesse, parce que j'ai pu l'aider pas mal, mais après on s'est perdu de vue quand Alice est arrivée. Perdu de vue intimement, perdu de vue dans votre communication? Dans les deux. Oui. Dans tout en fait. Donc du coup j'étais un petit peu, j'avais des sentiments un peu de culpabilité, d'énervement. Vous lui en vouliez un peu ou pas? Oui, je lui en voulais, et du coup c'était tendu à la maison, et... On s'est demandé même à un moment donné si on n'allait pas se séparer, quoi. Donc, ah oui. Oui. C'est allé loin. Oui, c'est allé aujourd'hui loin. Tout va bien. Aujourd'hui tout va bien, et puis on a pris du recul par rapport à ça, et il s'est passé pas mal de choses derrière, donc l'eau a coulé sous les ponts. Et, Oui, parce qu'il faut quand même qu'on remonte le moral au papa qui nous regarde. Hein. Au bout d'un moment, tout ça se rééquilibre très bien. Cyril, vous, c'est un jour un événement spécifique qui vous a fait réagir, qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Oui, précisément. En fait, alors vu de l'extérieur, ça paraissait pas forcément catastrophique, mais la façon dont je l'ai vécu, en fait, m'a vraiment fait réagir par après. C'était une situation toute simple. Hein. La sieste avait été compliquée. J'avais eu du mal à mettre ma fille à la sieste pour des raisons. Y avait eu des travaux, quelque chose comme ça, qui ont dû la réveiller dans les 5 minutes. Et on est super content parce qu'elle s'est endormie et puis 5 minutes après, ouin. Voilà. Donc, déjà, il y avait une espèce de boule d'irritation qui commençait à monter parce que j'avais peiné pour la mettre au lit. 5 minutes après, elle était de nouveau réveillée, donc on était reparti pour 1h30, 2 heures d'éveil, parce que je savais très bien qu'il allait être impossible de la remettre au lit. Donc, je la prends machinalement, je la pose sur la table allongée, je la change, tout ça en mode automatique, en fait, sans même la regarder, vraiment au radar. Et
Bébé qui pleure, forcément. Pas à l'aise du tout, en fait, parce que je la manipulais d'une manière pas forcément douce, pas très agréable. Elle devait sentir votre tension? Ah oui, complètement. Moi qui m'énerve de plus en plus, qui monte en irritation, en colère. Ensuite, je termine le change, je la pose au salon, en ayant des mots pas forcément très tendres, très doux. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas possible. J'ai un bébé qui a besoin de moi, en fait. Parce que c'est moi l'adulte, c'est moi qui suis censé calmer le jeu. Et en fait, je m'installe dans une espèce de spirale d'émotions complètement négatives et destructrices qui font que ça ne peut pas bien se passer avec ma fille. Mmh. Et je ne peux pas compter sur elle pour que les choses s'arrangent. Voilà. Parce qu'elle, elle compte déjà beaucoup sur vous. Oui. Alors, c'est votre femme, en fait, hein, qui est intervenue à ce moment-là. Ça faisait un petit moment qu'elle avait tout compris, en fait. En fait, c'est ma femme qui m'a tendu la main parce qu'évidemment, malgré mes dénégations, elle avait bien vu que quelque chose n'allait pas. Donc vous disiez quoi? Vous disiez, mais non, c'est rien, c'est la fatigue. Oui, la dénégation habituelle. Écoute, je suis fatigué, au boulot, j'ai des préoccupations. Ça n'a strictement rien à voir avec bébé. Tout va bien. Et non, elle voyait très bien que ça n'allait pas. Du coup, elle m'a tendu la main et elle m'a invité à en parler. Elle m'a dit, tu sais, le blues du papa, c'est quelque chose qui existe aussi. T'es pas anormal, ça arrive. On peut en parler si tu veux. Donc bon, malgré ma réticence initiale, on a décidé d'en discuter. Et c'est certainement ça qui m'a permis très rapidement de sortir le bec de l'eau. Éric, vous aussi, c'est en discutant que vous avez réussi à arranger les bidons avec votre femme et le bébé? On a discuté un petit peu, mais j'étais assez fermé quand même. J'ai pris pas mal sur moi, en fait. J'ai mis un peu un masque, si vous voulez. Pourquoi? Parce que vous disiez, c'est de la faiblesse de réagir comme ça. Vous aviez un petit peu honte. Qu'est-ce qui faisait que vous n'arriviez pas à le dire? Peut-être un peu de fierté. Et puis, j'ai pris mon rôle de papa au sérieux en me disant, c'est ça le rôle de papa, il faut encaisser. Et puis, comment dire, la femme a déjà suffisamment de préoccupations avec le bébé que... Un homme, ça pleure pas, quoi. Oui, c'est un peu ça, en fait. Et puis, du coup, on s'est dit, elle l'a porté pendant 9 mois, elle a fait tout le travail. C'est la moindre des choses de supporter ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que, du coup, au moment, c'est allé mieux? Parce qu'on en a parlé. On en a parlé parce qu'à un moment donné, ça allait plus du tout. Et puis à un moment donné, on est parti en vacances. Donc là, c'était la libération. On est parti 2 semaines. Et sans boulot, sans rien, sans contrainte, juste avec les filles, on s'est dit, ça peut marcher. Et on a retrouvé une complicité avec ma femme et tout ça. Et c'était magique. Et du coup, quand on est rentré des vacances, on est retrouvé dans les mêmes, dans le quotidien, dans les soucis, dans les problèmes, dans les engueulades. Et on s'est dit, là, stop, c'est fini, on arrête. Donc on fixe des règles. Ça veut dire, dès qu'on a un problème, on en parle. Il y a des règles d'or, ne pas s'engueuler devant les enfants, par exemple. Ne pas faire des remontrances devant les enfants, c'est très important. Et c'est très difficile aussi. C'est très difficile. Quand on est très stressé de ne pas le faire. Exactement. Et puis la fatigue aussi qui entre en jeu. Donc du coup, en posant ces règles, on s'est dit, voilà, on a notre Bible, en fait, et on va essayer de la suivre au mieux. Et du coup, depuis ce jour-là, ça va mieux. Ah, et c'est magique, en fait. Oui, c'est ça, c'est passer du cauchemar parler, en fait, à la magie. Mais c'est fréquent. Alors, docteur, est-ce que le daddy blues peut dégénérer en vraie dépression du postpartum, comme les mamans le vivent? Non, rarement. De temps en temps. Ouais. Rarement. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on se fâche beaucoup avec sa conjointe, et qu'il y a assez de rencontres au quotidien. Mmh. Parce que ce que disent Cyril et Eric ce matin, c'est la difficulté de pouvoir se rencontrer avec le bébé. Tous les équilibres ont changé. C'est ça, c'est une nouvelle dynamique s'installe. Donc d'abord, la dyade mère-bébé, et autour de la dyade mère-bébé, la triade parent-bébé. Mmh. Et on voit qu'ils ont mis du temps à pouvoir constituer cette triade. Qu'est-ce que vous conseillez aux couples qui vivent ça, mais qui n'arrivent pas encore à communiquer, comme Cyril et Eric l'ont fait au bout d'un moment? Est-ce qu'il faut consulter? Absolument. Les papas ne sont pas toujours pour ça. Ah oui, tout à fait. Mais Eric raconte comment, avec des 13 heures de diplomatie, et Cyril aussi, et leurs conjointes ont su trouver les mots pour qu'ils puissent entrer en contact avec elles, puis entrer en contact avec eux-mêmes. Mais en fait, dans ce qu'on dit aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que je me dis, finalement, est-ce que le baby blues que les mamans vivent est vraiment dû aux hormones? Puisque si les papas vivent les mêmes chamboulements,
C'est peut-être une idée reçue alors que finalement le baby blues est hormonal. C'est une idée très répandue, mais dans les années 80, on a fait des études, Serge Stoleroux notamment, qui a donné une suppléance hormonale aux femmes de le postpartum, ce qui n'a strictement rien changé au baby blues. Puis on peut rappeler aussi que le baby blues est normal, c'est de la bonne santé mentale. Vous avez vu comme on est en bonne santé. On l'a tous eu sur le plateau. Tout à fait. Donc c'est ce qui produit le blues, c'est la rencontre avec un bébé et d'être en échec avec un bébé. Ce qui est normal avec un bébé, c'est qu'on échoue. Et c'est à partir de cet échec qu'on peut faire l'arrimage avec un bébé. On crée le lien et qu'on apprend. Marie-Père Arnaud va venir nous rejoindre, docteur Luis Alvarez, parce qu'il y a évidemment des questions qui arrivent beaucoup en nombre sur les réseaux sociaux. Donc Marie, nous vous écoutons. Voilà. Et beaucoup de réactions à votre présence. Qui est oui, parce qu'on a rarement des papas, alors évidemment, on est content. Voilà. Tout le monde est très content. On a Fifiou sur Twitter qui dit « Est-ce qu'un manque d'investissement pendant la grossesse peut être un signe annonciateur d'un daddy blues ensuite ?» Ce n'était pas le cas pour vous deux, hein. Oui, tout à fait. C'est même le contraire. Oui. Un manque d'investissement du papa pendant la grossesse témoigne qu'il en a très peur. Et la femme a pris un morceau de lui et elle en fait un bébé. Le garçon qui est à l'intérieur de ce papa et le futur père sont en conflit. Et pour le moment, c'est le garçon qui l'emporte tant qu'il s'en va. Et je disais, quand on était en train de préparer l'émission, que beaucoup de papas, un certain nombre de papas, choisissent justement la date du terme pour aller faire le Mont Blanc, pour aller skier, pour aller faire le rallye en moto. Et en général, ils se cassent quelque chose. C'est dire à quel point la peur est grande. L'acte manqué, quoi. Exactement, l'acte manqué réussi. Pour rater la rencontre avec l'enfant. Ouais. Alix nous demande sur Facebook comment la conjointe peut accompagner le papa et lui redonner confiance en son nouveau rôle en cas de papa blues. Vous avez beaucoup parlé de communication dans le couple. C'est la clé, cette communication, pour aider son conjoint? Oui, bien sûr, c'est la clé. Et comme la maman est déjà beaucoup plus avancée dans la science parentale, elle a quelques vues d'avance. Et la question, c'est que les papas acceptent, n'est-ce pas? C'est ça. Et Eric nous disait à quel point il y a quelque chose de la fierté, quelque chose de l'image d'un homme fort qui ne pleure pas, qui est vraiment très inutile et qui retarde beaucoup les choses et qui laisse surtout que les choses s'abîment. Et parfois, l'usure du quotidien, qui va très vite, termine par l'emporter, malheureusement. Est-ce qu'il faut plutôt conseiller aux papas et aux mamans aussi, d'ailleurs, de ne pas trop fantasmer l'arrivée du bébé? Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu ce qu'on projette, un idéal qui fait qu'on est déçu. On est forcément déçu. Alors, on ne peut pas leur demander de ne pas rêver. Au contraire, ils doivent rêver. Mais ce qui est compliqué, c'est ce que Cyril et Eric ont fait. Ils ont tenté de prédire la naissance et la rencontre avec l'enfant. Ce qui est salvateur, c'est d'anticiper. Anticiper, c'est prendre de l'avance et anticiper plusieurs scénarios possibles, pas seulement un. Oui, c'est ça. Et ces anticipations constituent des amortisseurs psychiques pour mieux vivre cet événement qui est quand même un des grands événements de la vie. Oui, plus beau. Et Kiki, qui nous raconte que son mari fait un petit papa blues, mais elle avoue qu'elle a du mal à être dans l'empathie. Elle gère quasiment toujours et nuit, mais elle, personne ne lui demande si elle va bien. C'est difficile quand on est deux à aller mal. Bien sûr. Et vous avez compris, dans le témoignage de Kiki, que malheureusement, quand le papa ne peut pas faire la rencontre avec sa femme et avec le bébé, il prend le large, n'est-ce pas? Donc la femme se retrouve à porter le quotidien et en plus à porter secours à son mari, ce qui est vécu comme une très grande injustice. C'est la surenchère de fatigue. Non, mais moi je suis fatiguée, je bosse. Toi, tu es à la maison, tu t'occupes du bébé. Oui, mais tu ne te rends pas compte de t'occuper du bébé. C'est moi, j'aimerais bien bosser. Enfin, on n'en sait pas. Là, vraiment, il faut qu'on dise au papa qui nous écoute que parfois, on arrive à l'irréparable, les femmes sont beaucoup trop blessées, beaucoup trop déçues, et parfois la rupture survient. On a Mimi, entre guillemets. Oui, bien sûr. Cette naissance a bouleversé beaucoup de choses chez mon conjoint et je le sens tendu. Comment communiquer alors qu'il nie et se braque? Sa maman, me propose de lui parler. Est-ce que c'est une bonne idée de faire intervenir les familles? Est-ce que vos familles sont intervenues dans ce moment de mal-être? Des personnes extérieures sans être vraiment extérieures, finalement. Les parents, les beaux-parents, est-ce qu'ils sont venus un peu à la rescousse? Non, ce qui nous concernait, ça s'est vraiment réglé uniquement entre ma femme et moi. Il n'y a aucune intervention extérieure. Éric non plus? Moi, c'est pareil, on a réglé ça entre nous, voilà, c'est ça. En y réfléchissant et en se documentant un petit peu, parce qu'on n'a pas de famille. Vous n'avez pas communiqué sur vos problèmes, d'ailleurs, autour de vous? Vous êtes confié à vos amis, à votre famille ou pas du tout? Alors, Éric, allez-y. Moi, oui, parce que j'ai au boulot, j'ai une,
J'ai des collègues qui sont papas aussi. Donc on en parle un petit peu autour d'un verre ou d'un repas, etc. Et du coup, en parler un petit peu, ça fait du bien. Cyril, vous avez parlé un petit peu, vous êtes confié ? Non, en dehors de vraiment du cercle familial très restreint, non. C'était quand même une sorte de blessure à l'amour propre. Ça m'était quand même assez compliqué de dévoiler ces choses-là, ouais, en fait, à l'extérieur. Et faire un daddy blues, nous demande Valentine, au deuxième enfant, alors qu'on n'en a pas fait au premier, c'est possible ? Oui, bien sûr. C'est pas la place de l'enfant Alors j'insiste, le baby blues, c'est de la bonne santé mentale. Aujourd'hui, quand une femme fait un baby blues dans la maternité, nous sommes rassurés. Et ce n'est pas rare, ce témoignage, et c'est réellement que le premier a ouvert la voie et le deuxième suit le sillon. Donc elle est déjà une maman avertie, donc elle peut se laisser aller au baby blues. Bon, merci beaucoup, docteur, d'être venu nous éclairer sur ce sujet qui reste encore un petit peu tabou. Hein. Et merci à vous d'avoir eu le courage de venir vous confier à la télé ce matin. Merci mille fois. Je sais que maintenant, c'est magique. Hein. Vous le dites tous les deux, là, la paternité, c'est finalement, au bout du compte, une expérience formidable. Ah bah oui, quand je vois ma fille qui court, qui dit papa câlin, bah là, c'est le plus beau des bonheurs. On se dit, on a tout vécu. Vous aussi, Cyril. Ah, moi, je suis un papa comblé. Ouais. Bravo. Ouais. Oui, c'est ce sera le mot de la fin. On a besoin de vous, papa et maman, pour venir témoigner sur ce canapé, vous le savez. Si par exemple, et on l'a évoqué largement aujourd'hui, vous souffrez de fatigue, de douleur, si vous avez une libido en berne, pas facile de refaire l'amour après l'accouchement. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi le nerf de la guerre. Venez nous raconter comment vous avez réussi, ou pas d'ailleurs encore, à surmonter ces difficultés que presque tous les couples connaissent après la naissance du bébé. Et puis votre enfant est asthmatique ou souffre d'allergies respiratoires. Comment ce problème a-t-il été diagnostiquer, quelles précautions prenez-vous pour lui éviter de tousser? On a besoin de vos conseils. Venez nous en parler dans la maison des maternelles. Allez, il est temps de bouger. On pratique tout de suite. Dans un instant, nous allons bouger avec Karim qui nous proposera de la gym. Si vous êtes enceinte au deuxième trimestre, c'est pour vous. Mais qui ne s'est pas déjà senti démuni face aux pleurs du bébé? Là aussi, on en a beaucoup parlé à l'instant avec nos papas. Alors pour réussir à calmer, à apaiser le bébé, évidemment, Afida, notre sage-femme, a des astuces. Aujourd'hui, nous allons parler de comment apaiser son bébé, et j'ai avec moi Audrey, oui, la très belle et jolie maman de la belle Louise, qui est toute calme. Et tu as quel âge, Louise ? 4 mois et demi ! Mais tu parles bien en plus ! Et t'as pas l'air tellement agitée. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et comment vous faites pour l'apaiser quand elle est un peu agitée ? La tétine, ou je la prends dans mes bras. Vous la laissez de temps en temps pleurer ? Non. Non. Et pourquoi ? C'est inhumain. Inhumain. Alors, qu'est-ce qu'elle fait d'autre, maman ? Des gros câlins. Ah. Alors, quand son bébé pleure, bien sûr, le réflexe à avoir, c'est le prendre, le câliner. Avant de faire quoi que ce soit, c'est savoir déjà s'il a mal quelque part. Mais un bébé qui est tout petit, qui a des larmes, ça veut dire qu'il a mal quelque part. Ça peut être les gaz, ça peut être un petit rot gênant. Donc, une fois que vous avez retiré tous ces petits détails, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va câliner cet enfant parce qu'il pleure, parce qu'il a peut-être besoin d'un petit câlin. Le fait qu'il soit contre vous, maintenu, voilà. Vous voyez, vous faites instinctivement, j'allais dire, le balancement. Vous voyez, ma petite Simone, elle prend son pouce, parce que aussi la succion est très importante. Vous pouvez les mettre un petit peu au sein pour les apaiser. Le lait est sucré, ben, ça les apaise encore plus. Alors pour ceux qui ne prennent pas le sein, ou ceux qui ont l'habitude d'avoir la tétine, vous pouvez aussi leur donner la tétine. Vous le faites, ça, ou pas? Oui. C'est vrai? C'est mon ami, la tétine. Ah. Je pense que c'est l'ami de pas mal de dames. Pour les enfants qui sont très, très, très angoissés ou très agités, vous pouvez mettre une écharpe de portage, par exemple. Il a le son de votre voix, il a votre odeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est apaisé. Essayez de faire une petite ambiance un peu feutrée avec une petite musique douce. Mettez pas d'ACDC, s'il vous plaît. Mettez juste une musique apaisante. Déjà, vous êtes apaisé et votre bébé est apaisé. Souvent, les parents sont... Et quand ils sont ouf, ça veut dire très anxieux, très énervé, bah, le bébé le ressent, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Alors il y a d'autres petites astuces. Par exemple, le soir, si votre enfant est agité, alors le rituel du bain est très très sympathique. Donc, en donnant le bain, maman, qu'est-ce qu'elle peut faire en plus? Eh bien, elle peut faire le rituel du bain avec l'emmaillotage quand les enfants sont très agités. Vous connaissez? Non. C'est simplement prendre un linge,
vous mettez sur la table allongée. Sur cette table allongée, ben, vous emmaillotez votre enfant. Vous le mettez dans le bain et vous le faites. Vous bercez une petite cuillère de vraie haute fleur d'oranger. Ben, ça apaise votre enfant et ça sent bon en plus de ça. Donc, des fois, ils peuvent être aussi pas apaisés quand la maman n'est pas là. Mmh. N'hésitez pas à laisser un t-shirt avec votre odeur. Parce que le fait de vous sentir fait qu'elle est rassurée. Alors, une chose qui est sûre, là, on voit qu'elle est fatiguée. Voir si elle n'a pas très chaud non plus. Donc, une chose qui est bien à faire, c'est aussi découvrir son enfant si vous voyez qu'il fait très, très chaud. Tu sais ce qu'on va faire ? On va t'enlever. Mais oui, Louis, tu as chaud. Je sais que tu as chaud. C'est fini. Une chanson douce comme la suite, c'est quoi ? Je sais pas. Non plus. Alors, vous faites en versant. Un bon doudou, un bon câlin, et voyez, ça fait des miracles. Merci beaucoup à Afida pour ces bons conseils. Afida qu'on va retrouver dans quelques minutes, évidemment. Alors Karim, c'est à nous, mon ami. Karim, lundi, vous nous avez proposé donc de faire de la gym quand on est enceinte au premier trimestre. Là, on s'occupe des femmes enceintes du deuxième trimestre. Qu'est-ce qui fait la différence entre le premier et le deuxième ? L'état dans lequel on se sent, je ne sais pas... Bah on est déjà mieux, on est déjà beaucoup plus en forme. Oui, on a souvent des nausées, on a souvent... Tous les changements physiologiques peuvent faire en sorte qu'on n'ait pas l'énergie, que ce soit compliqué de faire de l'exercice. Donc, on a essayé de maintenir les muscles parce qu'il faut éviter la fonte musculaire. Et on a évité les exercices de cardio. Maintenant... Tout va bien. Blandine est là, elle est en forme. Alors Blandine, c'est ça. Enceinte de 5 mois. C'est ça. Vous avez un tout petit ventre pour 5 mois. Hein. C'est dingue. Vous avez de la chance. Hein, j'aurais presque plus de ventre. Enfin, non. Moi, en tout cas, c'est sûr, alors que j'ai accouché il y a 10 mois. Blandine, donc, est-ce que vous continuez à faire du sport pendant votre grossesse ? Oui, un petit peu de jogging. Ah bah c'est pour ça, bah voilà, vous avez suivi les bons conseils de Karim. Parce que oui, on peut faire du jogging enceinte, ça vous pouvez trouver les tutos de Karim sur internet. Alors, Karim. C'est le moment de retravailler son système cardiovasculaire comme Blandine le fait en faisant du jogging par exemple. Nous, ce qu'on va faire, on va faire de la marche. Marche militaire. Marche militaire. Vous pouvez ça vous permet de le faire chez vous, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Comme si vous avez marché, voilà, tout simplement, petit. Ah oui, c'est vrai qu'on appelait ça militaire. Essayez d'utiliser vos bras, voilà. Agathe, vous êtes très convaincante. Vous respirez, c'est vous qui décidez de l'intensité. Toujours respirer, n'oubliez pas, quand vous faites vos exercices de cardio, vous devez être capable toujours de parler ou de chanter pendant que vous le faites. Pour mettre de la variété, vous pouvez le faire en allant de côté. Est-ce que vous avez le cœur qui bat vite ? Parce que quand on est enceinte, ça bat plus vite. Et ça bat plus vite, et vous continuez à marcher, et vous pouvez mettre des petits mouvements de boxe pour le faire. L'idée, c'est de faire ces mouvements pendant 40 ou 60 secondes. Ça vous crève pas trop, Blandine ? Non, ça va. Soufflez, voilà, et on continue, on marche. Bah, utilisez bien les bras et les jambes, vous levez vos genoux et ça marche. On fait ça combien de temps ? À peu près 40 secondes ou 60 secondes. Oh, bah ça va ! Elle ne m'écoute pas, je venais de le dire. Ah bon, pardon. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas du tout... Non, mais c'est vrai, j'avoue, je n'écoutais pas du tout. J'étais en train de penser, quand est-ce que je vais faire du sport ? Il faudrait que je m'y remette. Là, on poursuit les squats. La tête. Mon exercice favori. On a évité les squats au premier trimestre parce que la montée et descente peut être difficile, peut provoquer des nausées. Là, c'est le moment de s'y remettre. On y va ? On reprend. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On va s'asseoir en arrière en tendant les bras. Bravo. Et vous remontez. Voilà. Expirez. Encore. On reste en bas. Sauf que pour rendre ça plus drôle, puisque je veux que ce soit drôle... Moi, j'ai pas le temps de rester en bas, malheureusement. Vous allez fermer les jambes, rapprocher la jambe gauche et déplacer la jambe droite. Et inverse, fermez droite, revenez vers moi, droite et gauche. Gauche et droite, restez bas. Droite et gauche, voilà, encore d'autres. Droite, maintenez les courbes du dos. Expirez, voilà, respirez et stop. Respirez. Vous faites à peu près... On va dire une dizaine de répétitions. Mais toujours est-il qu'il faut s'écouter. Là, je vous donne des indications. 10 répétitions, 8 répétitions. C'est pas très important, ça. Si on peut faire plus, on fait plus. Si on peut faire plus, on fait plus. Écoutez-vous, écoutez-vous. Faites attention à votre équilibre et buvez en permanence. D'accord, ça, c'est important. Voilà, il faut aussi hydrater. Alors, on fait la chaise ? La chaise.
Allez, Blandine. Allez, la chaise. Voilà, la chaise. L'idée, vous vous asseyez sur une chaise normale et puis vous dites, tiens, je veux faire de l'exercice. On va muscler les bras. On a musclé les jambes tout à l'heure. Là, ce sont les bras qu'on va muscler. Les mains sur le rebord de la chaise. Assurez-vous d'avoir un fauteuil qui ne va pas bouger, collé contre un mur. Le risque, c'est toujours de tomber. Donc, sécurité, sécurité, sécurité. D'accord. Vous avancez un tout petit peu le corps et vous pliez les coudes et vous expirez en remontant. Parfait. Les épaules doivent bien rester basses. Remontez. Oh là là. Voilà. Vous avez les bras qui travaillent là. Ben non, voilà, les triceps, vous aurez besoin de vos bras bien pour porter votre bébé quand il sera là. Allez-y, vous me faites une dizaine de répétitions comme ça et vous aurez le... Et là, vous avez l'autorisation de vous rasseoir dans la chaise et d'en profiter. Respirez. Ah, grâce à ça, on n'a jamais le truc de la salière là, avec le bras qui fait fou. Oui, la fameuse... Ça. Ok, c'est bien. Allez, on fait le pont maintenant. On enchaîne, le pont. Ah, ça rigole pas hein, dans la maison maternelle. On enchaîne, on pratique. On est en forme, vous êtes enceinte, vous n'êtes pas malade. Oui. Je n'engueule pas, hein, je le dis. Si, vous l'engueulez, regardez. Non. Oh, possible. Alors, vous allez vous mettre sur le dos, s'il vous plaît. Doucement. C'est bien allongé. Bravo! Oh là là, regarde alors, tous vos tutos. Vous, n'oubliez pas, vous passez par le côté pour vous mettre sur le dos. Vous repliez les jambes, les pieds bien appuyés au sol. Et là, vous allez me mettre les bras à 90 degrés. Ouvrez un peu. Parfait. Les bras placés comme ça permettent de stabiliser la colonne vertébrale, de rapprocher les omoplates. Et vous êtes stable. Et vous allez me monter le bassin. Expirez. Et on va faire des mouvements très courts. Descendez tout doucement et vous remontez. Voilà. On n'a pas le droit de poser les fesses, là? Non, mais non. Sinon, c'est pas drôle. Vous le faites, allez, expirez en remontant, voilà. Ça va, Blandine? Ça, c'est vraiment l'exercice de base. Si vous le sentez bien, comme Blandine qui a l'habitude de faire de l'exercice, vous pouvez juste rester comme ça et le faire sur une jambe stabilisée, très court. Montez et descendez. Bravo, Blandine! Alors, est-ce qu'on a le temps de faire la planche latérale rapidement, mon petit Karim? Oui, parfait. Planche latérale, on la connaît. Vous passez sur le côté, dès ces deux. Faites travailler ses abdominaux, vous vous mettez sur le côté, les jambes légèrement pliées, vous passez sur un coude. Hop. Voilà. Comme ça, et vous montez. Oh là là. Voilà, parfait. Et vous maintenez juste ça. On engage le transverse, on engage les obliques. Ceci permet de... Et juste comme ça, vous êtes encore plus belle. Ceci permet de muscler en toute sécurité vos abdominaux. Bon ben voilà, Blandine, on va vous laisser là. Vous devez rester là pendant 24 heures dans cette position. Et vous allez bonne journée. Merci, Blandine. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Ça, là, pas mal. On fait bien travailler. D'accord. Et n'oubliez pas, vous le faites des deux côtés. Vous faites 10 secondes de chaque côté. Bon, d'accord. Blandine, merci d'être venue nous voir dans la maison des maternelles. Désolée de vous avoir torturée. Et surtout, vous nous tenez au courant pour la suite de votre grossesse. Hein. Vous savez comment ça marche. On y va, Karim? À vous, Blandine. Il faut aller rejoindre nos amis qui nous attendent au salon. Au revoir, Blandine. Au revoir. Karim, il reçoit des sportifs de haut niveau maintenant. Bah oui, non, mais de toute façon, alors il fait des castings sur le physique. Excusez-moi, ce sont mes patientes que vous voyez là. Blandine est ma patiente. C'est pas facile. Ça fait des castings. Parce que je les vois en consultation et puis je leur dis, mais où est-ce que je vous ai vu? Ben, c'est vu il y a 15 jours. Ah oui. En tout cas, merci à toutes. Alors, Benjamin, hier, nous parlait de musique classique. Aujourd'hui, c'est vous, Marie, qui voulez initier nos petits à l'art. Oui, parce que j'aime. J'aime ça et je le pratique avec mes enfants. Donc, j'avais envie de partager avec vous. Enfin, je ne sais pas si vous emmenez vos enfants dans les musées. Mon Karim, vous y allez vous-même. Fait. Vous l'avez fait. J'étais très touchée par votre... Et je vous ai écrit un petit mot. Elle m'a écrit un petit mot hier parce que je lui ai envoyé ma carte blanche. Voilà, Moi, je recommande à tout le monde d'emmener ses enfants au musée. C'est formidable de voir comment eux reçoivent l'art dans le regard des enfants. Et forcément, complètement différemment. Oui, complètement. Et nous, on a été la semaine dernière au musée à Évian, voir une expo sur Raoul Dufy. Et même dans ces petits musées, c'est pas un petit musée, mais il y a des petits livrets de jeux. Il y a une photo qu'on a peut-être vu passer, voilà, où mes enfants sont gentiment en train de travailler devant une œuvre de Dufy. Les œuvres les intéressaient quand même. Oui. Et en fait, on se focalise sur quelques œuvres. Et ça, c'est ce qu'on fait de manière. Nous, quand on va dans un musée, on va pas se farcir tout le musée avec eux. C'est impossible. Mais on peut y aller très jeune. Et aujourd'hui, on se fait une pièce ou deux, et pendant la visite, voilà, on regarde quelle est ton œuvre préférée, on communique, on échange avec l'enfant. Alors, il y a des musées même faits pour les enfants. Il y a le musée en herbe à Paris, il y a même à Confluence à Lyon, il y a un octopus, quelque chose qui existe, un caisson pour que les enfants. Allez-y, Karim. Je vais prendre la tasse de Benjamin.
Mais qu'est-ce qu'il a? Écoutez, je dis Marie, en fait. Et voilà, et si vraiment vous n'avez pas de musée kid-friendly, comme ça peut être le cas, moi j'emmène toujours un petit carnet pour que les enfants dessinent. Voilà, ça permet vraiment d'échanger et de développer leur sens de l'observation. C'est presque mieux, non, d'ailleurs, d'aller dans des musées pour adultes avec les enfants. Ah oui, complètement. Le musée du Louvre, par exemple, moi, mes enfants, ils y ont baigné. Et... Ah, c'est super. Ah, au Louvre, voilà. Et quand on va à l'étranger aussi, il y a un truc super aussi à Giverny, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'impressionnisme, il faut aimer l'impressionnisme. Mais c'est juste à tomber parce qu'on se balade dans ces... pardon. Mais parce que j'adore, en fait. On se balade dans ce jardin. Il y a la maison après de Monet qui est là. Et puis les enfants, ils découvrent cette vie. Il y a toute l'histoire qui va... Ils redessinent après, oui. Et alors, on peut même faire des ateliers. Et il y a des ateliers enfants. Alors, au sein des musées, il y a des ateliers. Je ne peux que citer l'admirable musée Georges Pompidou à Metz. C'est des super ateliers. À partir de 5 ans. Oui, mais ils sont vraiment très bien. Mes enfants, ils vont à chaque vacances scolaires. Et ça coûte 5 euros. En plus, c'est vraiment pas très cher. Et 1h30, vos enfants font un atelier en lien avec les œuvres. Et vous pouvez visiter le musée. Pendant que les parents se saoulent au bar. Non, ils visitent le musée tranquillement, sans enfants qui crient. Il y a plein d'expos gratuites, ça, il faut le savoir aussi. Et il y a aussi des ateliers indépendants, comme les ateliers de Selkie, que j'ai découvert à Montpellier. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les ateliers de Selkie, c'est Carole qui organise ça. Elle fait aussi des anniversaires. Et vous voyez, les enfants, c'est de la libre création. Ils ont la palette, ils ont les couleurs. Et ils font, juste pour le plaisir de peindre et de découvrir. Carole, c'est une téléspectatrice. C'est une téléspectatrice. Vous en envoyez ça? Oui, tout à fait. J'ai vu les photos sur sa page Facebook et j'ai dit, c'est chouette. Bon, c'est un peu loin de chez moi, mais c'est vraiment super. Et à la maison, alors, chez nous, on parle aussi beaucoup d'art, c'est-à-dire qu'on a introduit l'art par différents biais et majoritairement via les livres, il faut le dire. Je vous en montre quelques-uns ce matin, mais où est donc Pompon? C'est Pompon qu'on cherche dans les œuvres. Alors Pompon, par exemple, si je tourne les pages, Pompon, c'est un ours blanc du sculpteur. C'est Où est Charlie, mais version... C'est Où est Charlie, version Pompon. Alors attendez, je vous en montre un facile, j'ai repéré parce que je me suis dit... Ouais, ça a l'air vachement dur, dis donc. C'est super dur. Pompon. Ah, yes. Il faut chercher. Ah, c'est génial. Et ce bouquin est superbe. C'est intégré au musée dans d'Orsay. Des œuvres qu'on voit au musée d'Orsay. Tout à fait. Ouais, il est vraiment magnifique. Après, pour les plus grands, on peut avoir, c'est celui que mon fils adore, on le feuillette souvent en relation avec ce qu'ils font à l'école. C'est vrai qu'il y a des arts visuels à l'école. Et en ce moment, par exemple, on est très serein. Oui, chez nous, on est très serein, par exemple. Et on fait de la peinture au coton-tige. Voilà, parce que donc, cette petite encyclopédie présente les artistes, donne de petites anecdotes et surtout montre comment on peut s'inspirer de la technique d'un peintre. Il y a Hokusai. Enfin, il y a vraiment, c'est les plus grands, mais ça permet vraiment aux enfants d'aborder l'histoire de l'art. Celui-là, mon petit chouchou, qui fait beaucoup rire mon grand. Pourquoi l'art est-il plein de gens tout nus? Ça pose des questions. Alors par exemple, est-ce que les statues moches, ça existe, Benjamin? Et pourquoi ils ont des micro-pénis? Est-ce que ça répond à ça? Oui, je vais vous laisser le feuilleter. Si vous posez des questions très, très bizarres. Et je termine juste sur deux bouquins qui permettent pour le coup de rentrer de manière ludique dans l'art. Celui-là, alors, c'est le préféré de Zélie, ma petite de 4 ans, parce qu'il y a vraiment donc, beaucoup d'œuvres. Et surtout, il y a des choses à trouver dans les œuvres. On cherche 5 roues, un chapeau vert, un volant, un ruban de chapeau blanc. Et là, encore une fois, on se familiarise avec l'œuvre, avec la façon dont c'est dessiné. On fait réagir l'enfant. Et on découvre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Benjamin, ils abordent vraiment l'art avec une autre sensibilité. Ils peuvent nous dire « j'aime, j'aime pas, ça me touche pas ». Et nous, on explique, on enrobe l'œuvre de son histoire, et ça, c'est essentiel. Et celui-là, c'est toi l'artiste de Marion Dechard, édité chez Seuil, qui est superbe. Vous voyez, on s'inspire de grands artistes, Célia Delaunay, et on peut faire un petit peu comme un manuel d'anticoloriage. On est au-delà du coloriage, là on est dans la création. Et voilà, et surtout apprenez à vos enfants à regarder dans la rue le street art, à apprécier le land art. Enfin, voilà, c'est ce que je trouve que juste regarder, c'est important. Le message est passé. Merci. Marie. On va tous emmener nos enfants au musée. L'agenda, Benjamin, de moi, ce matin. Moi, je vais présenter mes enfants aussi, hein, parce que ça doit être... Ouais, ils ont l'air hyper cultivés, ouais, hein, les enfants on de Marie. On rigole pas trop chez les Perrard, non. Ah, ça rigole pas. Un agenda spécial, naturel, La Belle et la Bête, parce qu'aujourd'hui même, c'est un événement, puisque sort en salle le très attendu nouveau film de Disney avec Emma Watson dans le rôle de Belle, c'est donc bien sûr La Belle et la Bête, remake du célèbre dessin animé avec notamment des reprises des chansons originales. Vous savez quoi? On regarde un extrait. Ah bah oui. If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love. Have you really read every one of these books? Some of them are in Greek. True as it can be. Magnifique. C'est vrai que ça donne envie de se mettre sous la couette on et de regarder les ça. Enfants à partir de 6-7 ans. D'accord. Oui, sinon ça fait un petit peu peur. Voilà, de la bête.
Alors pour l'occasion, on vous propose deux livres qui reprennent également le célèbre conte de La Belle et la Bête. Voilà, d'abord la version d'Annette Marna, c'est aux éditions du Père Castor. L'album est adapté pour les enfants à partir de 5 ans. Ça reprend l'histoire de Madame le Prince de Beaumont, écrite en 1757, rien que ça. Le texte a été adapté pour rester le plus fidèle possible à l'original. C'est une belle manière, il faut le dire, de faire découvrir ce conte à vos enfants si jamais ils ne le connaissaient pas encore. Et voilà une autre proposition, toujours La Belle et la Bête, cette fois-ci de Carole Martinez. Cette fois, c'est sans doute un peu plus réaliste et donc un peu plus crédible aussi. Ça peut faire un peu plus peur, j'imagine. Donc on dirait que c'est pour les enfants un peu plus grands, pour votre grand, par exemple. Marie, Père Arnaud. Avec les illustrations de Violaine Leroy, on retrouve la forêt enchantée, bien sûr. Une belle au caractère bien trempé, elle se laisse pas faire. Et une bête, évidemment, intrigante, mais néanmoins touchante. Regardez, je sais pas si elle fait peur, d'ailleurs. Je dis que ça faisait peur. Ça fait peur. Bon, ça dépend. Elle fait un petit peu peur. Ça dépend des points de vue. Elle a un regard gentil. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Marie pour cette belle carte blanche. Demain au programme, des témoignages impressionnants, mais vraiment, et hyper émouvants de femmes qui ont fait un déni de grossesse. On sera aussi en immersion dans un service de pédiatrie où se pratique l'hypnose plutôt que les anesthésies. Vous allez voir, ça aussi, c'est impressionnant. Et puis Afida va nous montrer les façons de prendre la température de son bébé dans une heure et demie. C'est La Quotidienne, reproduisez-vous. On se quitte, bien sûr, comme tous les jours, avec les bébés du jour et un générique unique. À demain.